Bon allez, cette fois-ci c'est la bonne, j'espère. % glitchless all figurines HD. Oh, oh STP non. Hein. STP tout sauf ça, les blacks. Hein. Et on ajoute. C'est marrant comme les manuels Super Swim, ça part et ça revient. Genre, c'est vraiment un délire. Ouais, bientôt princesse, hein. Bientôt j'ai 3 jours d'IRL TMC, moi. Un délire. Un délire. Je pense qu'en 3 jours, j'ai limite le temps d'aller visiter chaque personne qui a voté pour l'intro skip et de leur serrer la main individuellement pour leur dire merci. J'ai passé vitesse. J'ai grid. J'ai grid, monsieur. Ah ouais? Ok. Je vais reprendre un peu de vitesse, hein. Mais peut-être qu'il y a du neutral qui se glisse. Bizarre. Il y a dû avoir un neutral qui s'est glissé et qui m'a fait perdre de la vitesse. Sinon Link aurait déjà eu assez de vitesse pour passer sous la caméra. Et même là, il passe pas facile sous la caméra. Je vais quand même tenter parce que bon, au bout d'un moment, faut y aller, mais... Ok, c'est bon. Ouais, Link, il est passé tout juste sous la caméra. Du coup, je peux passer en charge automatique. Tout va bien. Bon, c'est pas rapide, hein, mais tant pis. Tant pis. C'est pas grave.
Ah, j'ai pas osé essayer d'aller pile sur le sous-marin. Je me suis dit, bon, je vais pas grid jusque-là. Ok, bon, la run est partie, c'est déjà pas mal. Maintenant, pour que la run soit partie pour de bon, faut réussir le zombie over. Parce que le problème avec le prochain zombie over, c'est que si je le réussis pas, je reviens à mon point de sauvegarde. Et mon point de sauvegarde, il est toujours à l'île de l'aurore. Du coup, si je reviens à l'île de l'aurore, tant qu'à faire, je reset quoi. C'est comme si j'avais pas progressé. Ça fait bizarre d'aller chercher l'amulette en pyjama. Normalement quand t'es... J'ai tellement l'habitude de faire du no MSS que j'ai plus l'habitude de voir cette cinématique avec l'amulette. Lorsque t'es en pyjama. Bon après c'est pas une cinématique qui me donne l'amulette. Et j'ai l'habitude de dire aller chercher l'amulette, mais c'est pas... Une fois que t'as vu cette cinématique, l'amulette ne se met pas dans ton inventaire. Tu n'obtiens pas l'amulette en regardant cette cinématique-là. Donc, c'est pas que je vais obtenir un objet qui fait que j'augmente mon nombre d'objets pour le low pourcent. Non. L'amulette, on l'obtient dans la cinématique du barrel. Et comme j'ai pas regardé la cinématique du barrel, tout va bien. La cinématique où Link se fait catapulter en barrel. Ah dommage. Il y a encore un bâton en haut, donc je vais aller chercher le bâton. Yo Serzax, Elzir qui sub gift Serzax. Waouh. Merci Elzir. Merci pour le gel et tout. Yo Warhol, je t'ai pas dit salut. J'ai vu ton message, mais je t'ai pas dit salut. Je sais pas pourquoi. Donc ouais, je rappelle. Je fais un setup pour faire un zombie over avec un bâton. Pourquoi je fais un setup? Parce que les zombie over avec les bâtons, c'est assez compliqué de commencer le zombie over. C'est pour ça que je fais un setup pour arriver juste pile poil sur le bord du bateau. Histoire de tomber instantanément du bord du bateau quand j'atterris. Et ça rend le décollage beaucoup plus facile parce que je suis instantanément dans l'air. Si je suis instantanément dans les airs quand je commence mon zombie over, j'ai pas besoin de me préoccuper de toucher le sol sur le décollage. C'est super. Oh, c'est peut-être en retard. Bon, j'espère pas, on va voir. Voilà, non, ça fonctionne. Let's go. Et donc ouais, je suis atterri pile poil sur le bord du bateau, j'ai tout de suite glissé du bord du bateau parce que c'est le setup qui veut ça. Et ding dong hein. Et du coup, vu que je suis dans les airs, je peux enchaîner les attaques sautées. Tout va bien. Faut que je spamme plus vite, non? Ah non, c'est bon. En fait, il fait peur ce zombie over. J'ai toujours l'impression que je dois spammer plus vite que ce que je suis en train de spammer, mais en fait, ça va. Ah, c'est bon, Click Amber. Fais genre, t'es pas habitué sur ma chaîne Twitch. Après, c'est particulier les zombie over avec des bâtons, Elzir. C'est très peu courant dans Wind Waker.
C'est vraiment la spécialité du loup pour sang. Oula, à deux doigts de toucher le bord. Hop là, split. Et donc ouais, avec le zombie over, je vais jusqu'à la cinématique. En tout cas, la zone de chargement qui m'emmène à la cinématique. Ce qui fait que je ne vais pas en prison parce que la cinématique prend la priorité sur le ding-dong de la prison. La cinématique qui prend la priorité aussi sur le fait de mourir, ce qui est assez pratique. Et du coup, grâce à cette cinématique, mon point de sauvegarde va se retrouver déplacé à Mercantile. Et c'est tout ce qu'on veut. Bon, du coup, c'est parti officiellement là. J'ai passé les deux splits où je peux reset. Maintenant, je ne reset plus. Là, je vais jusqu'au zombie over. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Yes, ça marche, Wazil, merci. Des bisous, des bisous. C'est devenu un peu une habitude de faire du loup pour sang. Maintenant, j'y pense plus trop. Genre, je fais ma petite run. Tranquille. Je pensais que ça passerait plus vite que ça. Je pensais vraiment qu'en 4 essais, je réussirais le zombie over et que ce serait finito pipo. Mais me voilà 6-7 semaines plus tard en train encore de faire du loup pour sang les mercredis. Oh là là. Yo Yasuda, non non c'est pas fini, c'est pas fini. Je viens de réussir à lancer la run de l'eau pour cent. TKT, TKT. Mais bon, ça veut dire que si je me débrouille bien et que les manuels super swim se passent bien, je vais réussir à faire en sorte de décoller avant 22h. Ça ce serait bien, ce serait cool. Bon, faut encore que les manuels super swim se passent bien, et vu la gueule de mes manuels super swim quand j'ai essayé de lancer la run, c'est pas sûr que ce soit le cas, mais on espère, hein. Alors que Link meurt, foudroyé par un destin divin. Non, simplement, Link, je suis rentré dans la cinématique avec zéro cœur. Du coup, la cinématique, on la regarde et ensuite je meurs. Petite sauvegarde pour être safe. Ah, c'est le moment un peu chelou. C'est un peu le moment de la magie noire, je vais l'expliquer ça parce que... Donc là, je vais faire un truc assez qu'on dirait qui est très inutile, mais je vous jure c'est utile. Je vais aller me noyer à l'extérieur de la zone de Mercantile. Pourquoi? Parce que il faut absolument que je monte sur le lion rouge. Le problème, c'est que pour monter sur le lion rouge, normalement, t'es censé acheter la voile. Mais je n'ai pas envie d'acheter la voile parce qu'on est en loup pour cent. Tout le but du loup pour cent, c'est justement d'aller chercher le moins d'objets possible. Du coup, pour monter sur le lion rouge, je vais être obligé de me noyer assez loin de Mercantile pour pouvoir réapparaître sur le lion rouge et non pas sur Mercantile. Si je suis trop proche, je réapparais sur Mercantile.
Oh, je touche le neutral. De nouveau. Ouais, je fais que de toucher le neutral, je veux pas réussir à me noyer assez loin. Si la mini-carte en bas à gauche disparaît, c'est que je suis assez loin. Mais là, ça m'étonnerait. Ouais. J'arrête pas de toucher le neutral et je sais pas pourquoi. C'est pas bon signe pour la suite. Hein. Yo Elzir, merci d'avoir subgift, Yasada. Et Elzir, il donne hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, laisse tomber. Dommage, je vais réessayer. Et là, vous voyez ce que ça fait de se noyer pas assez loin. Ça fait que je réapparais pas sur le lion rouge, mais sur Mercantile. Et c'est pas le but. Oh, c'était beaucoup mieux. J'ai peut-être trouvé. Ah, la mini-carte en bas à gauche va disparaître. Vraiment, ouais, voilà. Ok. J'ai peut-être la solution. On est peut-être sauvé. Et donc là, je suis assez loin de Mercantile. Du coup, je vais me noyer et réapparaître sur le lion rouge. C'est très important de réapparaître sur le lion rouge parce que plus tard, si je suis jamais monté sur le lion rouge, le jeu va me bloquer, me suffler. Fort, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. C'était chaud. Petite sauvegarde. Et c'est reparti. J'ai peut-être trouvé un truc là. L'espoir renaît. Toujours pas assez de vitesse. Mais... ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne session de spamage comme ça. Attends pas à l'autre bout du monde, Link, je t'en supplie. Est vers le refill, là où tu peux reprendre de l'air. Bon, dis-moi que j'ai assez de vitesse là. Ok, j'ai assez de vitesse. Juste que j'esquive le rocher. Ok, j'ai peut-être la solution. J'espère avoir la solution. Et si le prochain split, je le détruis, ça reste une bonne run.
Normalement, le super swim qui est compliqué, c'est le super swim pour s'en aller de Greatfish, pas pour aller à Greatfish. Enfin, allez. Ouais, cette dernière phase, elle était vachement plus propre. Ouais, je vais essayer de faire pareil pour le super swim qui vient. Link a deux doigts de se noyer. À part ça, c'est dangereux. Les vagues ici, si la cinématique commence alors que Link est sous l'eau, parce que la vague est trop haute, la cinématique ne peut pas se faire correctement et tu suffloques. Donc là, j'étais vraiment à deux doigts de nager à cause de la vague. Et si je nageais à cause de la vague, c'était rip. C'était juste rip. Bon, allez, sur ce split, j'ai 44 minutes à sauver là. On y croit. Je sauvegarde. Oh, j'ai oublié de sauvegarder. Je ne couche pas parce qu'il y a... Enfin, il y a le zombie over du nord, mais... Ah, parce qu'il passe le zombie over du nord, oui. Oui, c'est aujourd'hui. En tout cas, j'espère que c'est aujourd'hui. J'espère que c'est aujourd'hui que j'arrive le zombie over du nord. Même si la run n'est pas folle, j'en ai rien à faire. Elle est trop... Et alors que la téloche veut se mettre en veille. Hop. Ok, c'est ce super swim qui est difficile. Pourquoi? Parce que l'endroit où je dois reprendre de l'air, c'est un tout petit endroit sur un seul rocher. Et en plus de ça, parfois à cause des vagues, le côté du rocher qui me redonne de l'air ne me redonne pas d'air. Donc c'est horrible. En plus, je peux pas me coincer contre le rocher pour rester vers l'endroit où je reprends de l'air. Du coup, c'est un délire. Je suis obligé de tourner en rond et puis d'aller reprendre de l'air de temps en temps, c'est pas facile. Déjà que faire un manuel super swim, c'est pas facile. En plus, je dois tourner en rond, c'est encore moins facile. Yo, Grugal! Alors c'est ce côté de ce rocher qui me redonne de l'air. Là on espère qu'il est en train de me redonner de l'air. Mais je crois bien que... Ouais, ça m'a redonné de l'air, tout va bien. Maintenant il faut que je fasse un petit tour. Ok, alors. J'ai re-eu de l'air, tant mieux. Oh, je suis loin du rocher. Ok, bon. Pas grave, on va tenter. Okay. Alors, je vais attendre que la caméra remonte parce qu'il faut que la caméra soit un maximum loin pour pouvoir savoir si Link passe dessous la caméra ou pas. Vu que j'ai baissé la caméra pour essayer de viser le rocher, ben... retrouve à faire
De la temporisation. Ok, fais voir. Est-ce que j'ai assez de vitesse? Ok, j'ai assez de vitesse. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Nickel. Bon, c'est pas fini. Ni. Pas de fondu au noir quand j'arrive à Mercantile, s'il te plaît, le jeu. Ah, okay, ok. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. J'ai une chance pour sauver ça, c'est de faire un manuel super swim depuis ici jusqu'à Mercantile. C'est vraiment pas facile, donc attends. Déjà. Déjà, faut que je piffe le Black Wind, du coup, c'est un délire. Je crois que c'est pas trop mal. Et faut que je me mette là. Ah non, c'est trop. Le Black Wind, il est pas bon. Je crois que c'est mieux. Ah, c'est mieux. Je vais essayer comme ça. Allô? Oh, frère, c'était si proche. Yo Zeldico, merci pour le jeune. Ouais, c'est pas de bol hein. Vas-y, je me chope le fondu au noir quand j'arrive à Mercantile, c'est juste pas de chance. C'est juste pas de chance. J'étais à deux doigts de le sauver en plus. J'étais vraiment à deux doigts de le sauver. Peut-être que si j'avais pas paniqué à la fin, ça aurait fonctionné, mais. Malheureusement, j'ai paniqué. J'attends juste que Terry s'en aille un petit peu plus loin parce que. Elle est le roi pour me faire splouche. Bon. Ouais, ne se casse. Voilà, exemple de, c'est pas facile de se contrôler, de savoir où t'es, et de faire un petit tour en même temps que de charger un manuel. Là, je m'étais complètement perdu et du coup j'ai drop.
Bon, ça va pas être facile de trouver le rocher parce que j'ai beaucoup de vitesse, j'ai l'impression, mais... Vas-y, on y croit. Okay. Je vais de nouveau faire des demi-tours en attendant que la caméra s'éloigne. Histoire de conserver un maximum de vitesse. Ah, c'est bon. À part ça, c'est fou, hein. Je galérais comme un malade sur le manuel Super Swim le plus simple, et là j'arrive sur le manuel Super Swim le plus compliqué, et tout d'un coup j'ai compris l'erreur que je faisais. Et tout d'un coup, genre, je deviens un godlike sur les manuels Super Swim, ça n'a aucun sens. Oula, j'ai peut-être touché neutral. Pas de fondu au noir cette fois, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Oh là là, pouf. J'ai 800 nord sur la même map sur Céleste. D'un côté, c'est un peu normal, hein, c'est Céleste. Hein. Bon allez, on se laisse pas abattre. Je vais aller chercher ce WR sur Wind Waker, j'en ai rien à faire. De toute façon, si finir Wind Waker sans Wind Waker c'était facile, ça se saurait. Ah, la même salle. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, non, là ça fait beaucoup, effectivement. Ah, je vais quand même peut-être réussir à commencer le zombie over sub 22h, hein. Mine de rien. Oups. Ok, ça passe quand même. En vrai, tant que j'arrive à lancer le zombie over d'une heure avant 22h, je suis content. Même si la run elle est pas ouf. Après, c'est un peu normal les Nostias. Hein. Le level 1 sur Céleste, tu découvres, donc tu galères. Et ensuite, le level 2, tu commences à choper les mécaniques. Et du coup, en fait, il y a toujours ce moment sur Céleste où tout d'un coup, tu comprends comment ça fonctionne. Et du coup, tu commences à faire un peu moins de morts. C'est vrai que maintenant, on a un seul item dans l'inventaire. Enfin, après une heure de run, nous avons notre premier item dans l'inventaire, les bombes. Hop là, allez. Non mais à part ça, Picamber, vous aimez trop vos... La communauté de Céleste, elle aime trop faire des noms spéciaux pour un dash en particulier, alors qu'en vrai, c'est juste un dash en diagonale. Je jure que la communauté de speedrun de Céleste, j'ai l'impression que dès qu'ils font un dash en diagonale, ils s'appellent ça le hyper super ultra méga gigas dash ultra instinct. Je te jure que ça me donne cette impression. Ouais, non spéciaux, ouais, non spéciaux, ouais, je sais. Pardon, pardon. Et vous avez vu, ça fait... Je fais trop de manuels Super Swim, j'arrive plus à parler, je sais plus ce que je dis. Ça fait des dommages au cerveau, hein, les manuels Super Swim.
En vrai, une petite pause. Pourquoi pas? En vrai de vrai. GG, Picamba. Badlin, en général, c'est assez dur, Nostia. Surtout pour les gens. Et ça, j'ai découvert ça, que il y a certaines personnes qui sont très mauvaises avec le rythme dans les jeux vidéo. Et du coup, ils peuvent être très forts sur un jeu vidéo. Dès qu'il y a une section où il faut faire du rythme, comme dans Celeste, tu sais, parfois t'as des salles avant les cassettes où t'as des blocs qui disparaissent et qui apparaissent en rythme. Et bien les personnes qui sont genre pas fortes en rythme, les salles rythme, elles vont être ultra dures pour elles, alors qu'en vrai, elles sont pas si compliquées que ça. C'est pour ça que je pense que pour les développeurs de jeux vidéo, genre... niveler, genre gérer la difficulté des salles de rythme, ça doit pas être facile parce qu'il y a vraiment le niveau entre les gamers est vraiment genre très disparate. Ah, je sais pas, j'ai l'impression de retoucher le neutral là. Je ne comprends plus rien à ma life. Ouais, genre c'est super chelou. Je sais que pour moi, les salles de rythme, j'ai tout de suite l'impression qu'elles sont beaucoup trop faciles. Tout d'un coup, j'ai l'impression que les développeurs, ils ont fait une salle qui est beaucoup trop facile pour le niveau dans lequel t'es. Et je vois mes potes jouer, et il y en a certains, je vous jure, au niveau du rythme, ils sont tellement gaze. C'est incroyable. Et moi, à chaque fois, ça me surprend de fou parce que... Pour moi, c'est la salle la plus facile du niveau, alors que pour eux, c'est la salle la plus dure du niveau. Et je crois, à part ça, je crois qu'il y a Terry au milieu du chemin. Oh, il y a Terry au milieu du chemin. Et je crois qu'il s'en va. Ouais. Ah. Comme ça, c'est nickel normalement. Ok, nice. Les fraises ailées dans Céleste, on a l'impression qu'elles valent plus de points. Mais je te jure que non. Mais il y a tout le monde qui est comme ça. À chaque fois que tu prends une fraise ailée, t'es trop trop content. Alors que c'est une fraise, hein. C'est comme les autres. Allez, on est enfin arrivé à l'île aux forêts. Let's go. Maintenant que les choses sérieuses commencent. J'arrive à roll clip. J'ai dit si j'arrive à roll clip. Bon, alors c'est pas donné parce que c'est tous les roll clip. Voilà, tous les roll clip c'est frame perfect. C'est vraiment tu dois faire la roulade à la première image où c'est possible, sinon ça fonctionne pas. Et celui-là il est un petit peu particulier quand même. Faut prendre le coup de main, mais c'est quand même faisable. C'est plus facile qu'un manuel Super Smooth.
Yo, Wachak, merci. Ok, donc là, ce que je fais, c'est juste que je vais aller faire apparaître la feuille Mojo en haut de l'arbre Mojo. Parce que les deux seuls objets que je vais aller chercher pour finir ma run de l'eau pour sang, où le but c'est d'aller chercher le moins d'objets possible, c'est les bombes et la feuille Mojo. Parce que les bombes et la feuille Mojo, c'est les seuls objets qui me sont vraiment nécessaires pour terminer le jeu. Alors que je ne sais pas bonk sur un arbre. Oh là, le nombre de rubis. Et donc voilà, je suis obligé d'aller activer cette cinématique, de la regarder. Parce que c'est à la fin de cette cinématique que la feuille Mojo apparaît. Et ensuite, on essaiera d'aller la chercher. Avec le super zombie over qui dure une heure. Que je n'ai encore jamais réussi. Et puis si j'arrive le zombie over de 1 heure, ça veut dire que j'ai réussi à obtenir la feuille Mojo. Et si j'obtiens la feuille Mojo, c'est direction la fin du jeu et rien d'autre. Vraiment, le but de cette catégorie, c'est bombe, feuille Mojo et go à la fin du jeu. Le seul souci, c'est comme on n'a pas le Wind Waker, il y a tout qui est plus compliqué parce que quand t'as la baguette du vent, t'as accès au storage, qui est un glitch qui te permet de faire un milliard de trucs. Et là, j'ai pas le droit de faire de storage. Enfin, je ne peux pas faire de storage, je n'ai pas de Wind Waker. Sans la baguette du vent, sans le Wind Waker, je ne peux pas faire de storage. Comment on entre dans FF2 sans Wind Waker? Encore un zombie over? Exactement, mec. C'est une de mes parties préférées de la run. Pour rentrer dans FF2 sans Wind Waker, tu vas te mettre devant la forteresse maudite. En super swim, t'arrives en super swim, tu te mets devant la porte. Et en fait, le truc qui est assez marrant, c'est que si tu te plantes devant la porte en bois de FF2, les canons qui sont sur les bords de l'île vont essayer de te viser et ils vont te louper et toucher la porte en bois à ta place et débloquer ouvrir la porte en bois pour toi. Ça me fait mourir de rire. C'est comme ça que tu rentres dans la forteresse maudite et ensuite, pour monter en haut de la forteresse maudite, tu fais un zombie over avec un bâton. Parce qu'évidemment, on n'a pas d'épée. Toujours pas d'épée. Ce sera seulement à la fin de FF2 qu'on aura une épée. Parce que la cinématique de fin de FF2 nous donne la Master Sword. Que je le veux, Yuni. Hop là! Allez, j'ai 45. Ouais, je vais prendre les demi durbar en fait. J'ai une quinzaine de minutes pour réussir le décollage pour pouvoir dire faire fièrement que j'ai réussi à décoller avant 22h. Hop là, donc la feuille Mojo elle est apparue en haut de l'arbre Mojo. Le problème c'est que je n'ai pas de grappin griffe pour aller chercher la feuille Mojo. Pour escalader à l'intérieur, je suis censé avoir le grappin griffe, objet que je n'ai pas et que je ne vais pas aller chercher. Oups. Donc je ne peux pas monter de façon normale à aller chercher la feuille Mojo. Je vais être obligé de faire un zombie over pour aller chercher la feuille Mojo. Obligé de faire un zombie over pour aller chercher la feuille Mojo à l'extérieur de l'île aux forêts. Pourquoi à l'extérieur? Parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de bâton. Et comme j'ai pas d'épée, je suis obligé de te faire des zombie over avec des bâtons. Parce que vu que les zombie over c'est l'enchaînement d'attaques sautées, enfin, je vais quand même vérifier que il y a bien la feuille Mojo qui est là. Vu que les zombie over c'est des enchaînements d'attaques sautées lorsque tu n'as plus de vie,
Si t'as pas d'épée ou pas de bâton, bah tu peux pas faire des attaques des attaques sautées. Parce qu'autrement je le ferai à l'intérieur, mon zombie over, hein, TKT. Hein. Hop là. Sinon t'as qu'à récup l'épée. Mais mec, je crois que t'as pas compris. Mais je sais pas pourquoi, lui parfois il meurt pas. Il est trop relou. Regarde, wesh. Non, évidemment, je peux pas aller chercher l'épée parce que le but du loup pourcent c'est de faire la run avec le moins d'objets possible. Donc j'ai pas le droit d'aller récupérer un objet en plus. Et encore des petits dégâts, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors le truc qui est compliqué maintenant, ça va être de décoller avec le zombie over. Parce que décoller sur une surface... un seul plat avec un bâton, c'est pas facile. Bon alors déjà je vais faire mon petit setup pour avoir exactement le bon angle et exactement la bonne position. Et ensuite, une fois que je vais me faire crasher par la plante, je vais devoir faire un side jump, commencer mon zombie over, sauf que c'est très précis. Donc il y a moyen que je me plante plusieurs fois, mais bon. Passons en loup pour cent, la run ne sera jamais parfaite. N'est-ce pas? J'ai une chance sur deux qu'il fasse l'attaque où il m'avale. C'est l'attaque où il m'avale que je veux. Pas maintenant, maintenant s'il te plaît. Évidemment il la fait pas. Ok, nice. Ok. Alors ça va suffire. Oh c'était chaud. Ok, nice. On a décollé du premier coup, ça fait plaisir. Du coup le zombie over il va commencer avant 22h. Je suis content, l'atterrissage sera avant 23h. Let's go. Tu n'as pas de cran en ISS, c'est à dire Frozen. Comment tu fais pour avoir un ISS aussi précis vers le bas? Non, j'ai pas de cran, mais en fait, le jeu te snap. Si tu fais un ISS en bas, en haut, à gauche ou à droite, c'est facile d'avoir un ISS qui est parfaitement à droite, à gauche, en haut ou en bas. Parce que le jeu est permissif à ce niveau-là. Et c'est sympa. Et donc, je fais ce zombie over pour aller toucher cette plateforme. Plateforme sur laquelle je veux réapparaître. Le problème c'est que je peux pas atterrir sur cette plateforme parce que si j'atterris sur cette plateforme, je meurs. C'est le principe d'un zombie over. Dès que t'atterris, vu que t'as plus de cœur, la cinématique de game over va se lancer. Bon, laissez-moi juste faire le setup. Hop là, je dois tomber exactement du bon... Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, nice. On est parti. Donc je rappelle, le but c'est d'aller choper un cœur sans toucher le sol. Le truc c'est que le seul moyen que j'ai de prendre le cœur sans toucher le sol, c'est de sortir une bombe. Quand je vais sortir la bombe, je vais lâcher mon bâton, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu sors une bombe, tu lâches le bâton. Et du coup, une fois que j'ai sorti la bombe, je vais plus pouvoir faire des zombies over, parce que j'ai plus de bâton. Le seul truc qui me permet de faire des attaques sautées, c'est d'avoir le bâton en main. Si je lâche le bâton, je peux plus continuer à voler. Du coup, une fois que j'ai sorti la bombe, je peux plus rien faire. La bombe va exploser au bout d'un moment quand je vais être en chute libre, parce que si je fais plus des attaques sautées, je suis en chute libre. Et du coup, quand je suis en chute libre, le bâton va exploser.
Le bâton. Non, la bombe va exploser. Je suis en chute libre. Et le but, c'est que la bombe explose exactement au moment où je touche le corps. Si la bombe explose trop tôt, ça veut dire que la bombe va exploser juste avant que je touche le corps. Ce qui fait que la bombe, quand elle explose, elle va me pousser dans l'eau. Je vais réapparaître, du coup, sur la plateforme de l'île aux forêts, mais je vais mourir instantanément parce que j'ai pas touché le corps. Ça, c'est si la bombe explose trop tôt. Si la bombe explose trop tard, je vais toucher le corps, pas mourir, mais je vais aussi toucher le sol. Parce que du coup, la bombe explosera après que j'ai touché le corps et le sol. Et si je touche le sol et que la bombe explose, du coup, je meurs pas parce que j'ai aussi touché le corps. Mais quand la bombe va me pousser dans l'eau, je vais pas réapparaître à l'île aux forêts parce que la dernière plateforme que j'aurais touchée, c'est plus la plateforme de l'île aux forêts. Et pour réapparaître à l'île aux forêts, la dernière plateforme que j'ai touchée, il faut que ce soit la plateforme de l'île aux forêts. Et du coup, il faut exactement que la bombe explose au moment où je touche le cœur pour pouvoir réapparaître à l'île aux forêts. Parce qu'une fois que je touche le cœur, la bombe explose, me pousse dans l'eau, je vais dans l'eau, le jeu me fait réapparaître sur la plateforme parce que le jeu est sympa. Et on est content parce que le game over se lance pas, parce que j'ai un cœur de plus et pas zéro cœur. C'est trop bien, l'île apparaît, je vais me concentrer. Yo, Kenokef. Les gens, ils arrivent à l'heure. Ils savent que c'est 2h20 sur le timing, là. Ils savent que c'est l'atterrissage. Bon, du coup, j'ai jamais réussi ça. Je vais essayer de réussir. Hein. Mais bon, c'est un peu random. En fait, il y a de la chance. Il y a de la chance et du skill. Je sais que la dernière fois que j'ai essayé, j'ai pas eu de chance. J'ai très bien joué, mais j'ai pas eu de chance. J'ai eu la bonne frame et malheureusement, j'étais à une hauteur entre deux qui faisait que c'était impossible que la bombe... explose quand je touche le cœur. En fait, j'étais à une hauteur qui faisait que je traversais le corps en une seule frame. Et si tu traverses le corps en une seule frame, ben impossible de que la bombe explose au bon moment, quoi. Je suis pas d'accord, Thibon. Je suis pas d'accord, moi le nouveau 1% avec le Puppet Ganon Skip et tout, moi je le trouve incroyable, avec les Door Cancel et tout, je le trouve trop bien. Et ouais, c'est l'heure de spammer les GL et tout, ma destination c'est le petit point vert, le petit rocher vert tout à gauche de l'île, au milieu à gauche de l'île. Donc j'ai encore un petit peu de spam. Et je vais déjà faire un truc, c'est que je vais déjà setup mon angle. Parce que je vais avoir un repère visuel pour sortir la bombe au bon moment, et pour ça il me faut un angle précis de caméra, pour que le repère visuel fonctionne. Donc... je vais refaire en m'assurant que j'ai bien mis la caméra sur la gauche parce que j'étais pas sûr, j'ai oublié de vérifier. Ah, trop loin. Et j'ai le temps pour faire ça. Loin. Assez loin. Ouais, c'est bon. J'ai pas vérifié ça. Je sais pas pourquoi je panique sur l'angle alors que c'était sûr qu'il était juste, mais... ah, c'est bon, c'est sûr. C'est sûr qu'il est bon. Ok, du coup j'ai l'angle, maintenant c'est ma position, faudra faire attention. Regardez la mi-carte en bas à gauche. Je vais essayer de mettre ma flèche jaune exactement au bon endroit. Pour être exactement par-dessus le cœur. Merci pour les bénédictions. Bon allez, j'arrête de lire le chat, je me concentre. Petite pause. Ah.
Maintenant, je suis sur le cœur, mon repère visuel, c'est un point qui scintille sur l'océan, en bas à gauche de l'écran. C'est un coffre qui va passer de gauche à droite par-dessus le compteur de rubis. Et dès qu'il sort de l'écran, c'est à ce moment-là qu'il faut que je sorte la bombe. Il faut bien regarder, là on commence à le voir déjà, le point qui scintille. Et il va de gauche à droite. J'ai pas sorti la bombe, je crois. Je suis une frame ou deux frames trop tard. Trois. Oh, je vais essayer au pif la backup. Hein. Je suis dans la sauce. Je vais essayer. Mais tant pis. Bon, la backup, ça peut encore fonctionner. Hein. S'il y a moins de chances que ça fonctionne, ça peut encore fonctionner. Du coup, faut que je fasse un zombie over de plus pour me ralentir. Et ensuite, je ressors la bombe. J'ai sorti la bombe trop tôt alors que le jeu était encore posé. Je pense que c'est trop tôt. Honnêtement, je pense que je vais exploser, tomber dans l'eau avant de toucher le cœur. Mais peut-être ça fonctionne, on sait pas. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas être très très frais demain matin. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est passé. Et que j'en ai rien à faire si on termine la run. À 1h, 2h ou 6h du matin, je finirai cette run pour aller chercher le WR. Let's go! Oh, ça fait trop plaisir. Oh, la feuille mojo, elle s'est fait attendre. Hein. Oh là là. Je sauvegarde deux fois, juste pour être sûr. Je sauvegarde deux fois. Ah, j'ai sauvegardé deux fois, c'est bon. Let's go! Oh là 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 là! Oh, vous allez voir, la fin de la run, elle est fun. La fin de la run, elle est complètement folle. Ah, j'espère que vous avez pas grand chose à faire demain matin. Bon, c'est parti pour le pire manuel super swim de toute la run. Pourquoi ? Parce que sur tous les manuels super swim jusqu'à présent, j'avais de quoi reprendre de l'air. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je m'échappe de cette île avec un manuel super swim sans avoir d'endroit où reprendre de l'air, si ce n'est le bateau de Terry. Le truc, c'est que pour les gens qui ont l'habitude du... c'est une dinguerie que ce soit passé. Les gens qui ont l'habitude du speedrun de Wind Waker, ils savent que les deux choses qu'on n'a pas envie de mélanger dans une run de Wind Waker, c'est le bateau de Terry et les super swim. Donc voilà, devoir reprendre de l'air sur Terry, c'est tout sauf ce qu'on a envie. Mais on va essayer de le faire. Le but, ça va être de s'échapper sur l'île qui est à côté de l'île aux forêts, qui est un cadran à côté. Et à partir de cette île-là, on va pouvoir essayer d'aller à la fin du jeu. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire un super swim sur une autre île que cette île de ses morts. Pour combien de bots tu tentes un try en buffered? En buffered, je suis moins bon, Enbad. En buffer, je suis moins bon, tout le monde s'endort, et en plus, ça change pas le problème du refill en fait. Là, ce qui me bloque, c'est pas le fait que j'arrive pas à le unbuffer, le problème, c'est que je n'arrive pas à refill. Tu me diras qu'il y aura moins besoin de refill avec un buffer, si je suis vraiment bon, mais c'est pas dit.
Si je spammais pas bien, peut-être, mais... Là, il y a vraiment un moment où les deux refills passeront. Là, avec un spammage de cette qualité, j'ai besoin que de... deux refills sur Terry. Enfin, tu me diras, Terry boude, je peux pas y faire grand chose quoi. Ah. Ça passe encore. Il y a un monde où la run elle finit à 4h du mat, mec, il y a un monde où la run elle finit à 6h du mat. T'as pas encore vu le Puppet Ganon skip avec Puppet Ganon dans la salle. Ok, je vais essayer. Je vais essayer de partir. Je vais essayer de partir et d'arriver sur l'île qui est un cadran au-dessus. Donc je vais pas essayer de partir pour le upcharge. Je vais vraiment essayer juste de drift un maximum pour arriver jusqu'à l'île. Le but c'est d'arriver jusqu'à l'île des bombes. Là j'y suis presque. Normalement. Nice. Et là on sauvegarde. Et ici c'est beaucoup plus simple de faire un manuel super swim, donc on est très heureux. Ça me fait mourir de rire. Parce que ici, regardez. Ici on a vraiment l'endroit parfait, t'as vraiment un coin où tu peux te mettre et un refill juste à côté, c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors que Terry, hein, Terry on souffle. Hein. Terry on souffle. Bon allez, je prends une petite pause. Et puis après je me remets à spammer. Hein. J'avais pas assez de vitesse pour upcharge. Si je pouvais upcharge à Terry, je le ferais et puis je partirais tout de suite. C'est vrai que vous avez cassé le record du scam train. Hein. Merci les gens. Je m'attendais tellement pas à que la backup elle fonctionne sur le zombie over. À part ça, ça me termine. Et petite pause et retour dans l'enfer, exactement. Donc là, le but c'est d'aller jusqu'à FF2 parce qu'à partir de FF2, on va à la fin du jeu. Donc vraiment là, mon inventaire c'est mon inventaire de fin de jeu. Ça me termine. Ouais, je peux pas faire ça. J'étais en train de grid sur le bord, mais c'est vraiment pas possible. C'est une grosse vague. Je vais attendre en spammant un peu si je peux, mais... Là, je peux pas prendre de refill. Ah, là, je peux. Non, t'as prédit un PB, fan de Mozilla. T'es complètement fou. T'es complètement folle, du coup. Pardon, pardon. Shit.
Et je retiens. Si tu deviens VIP sur le low pourcent, c'est légendaire, à part ça. Oh, la vague est énorme. Je vais attendre avant de spammer. Parce que autrement, je vais m'accrocher au bord, ça va être terrible. On a prédit 4. Non, arrête. Moi, pour l'instant, j'en vois qu'un seul. Hein. Et dire que ce refill est 10 fois plus simple que Terry. Hein. Imagine. Hein. J'aurais pas dû spammer autant, j'ai peu d'air. J'ai un peu peur de pas réussir à refill à temps. En vrai, j'ai combien de vitesse là? Je vais aller vérifier. Ah, encore une fois. Oui, quand la bulle elle repop, ouais, quand elle dépop, j'ai le refill. Mais le problème c'est que si je pose frame perfect, la bulle elle a pas le temps d'apparaître sur l'écran quand je entre deux pauses. Donc c'est dur à dire parfois. Oh, je suis parti en balade. Du coup, ça m'étonnerait que j'aille assez de vitesse, mais peut-être. Hein. Oh, j'ai assez de vitesse. Assez de vitesse pour l'upcharge. Il me faut encore un refill. Hein. Parce que c'est un gros super swim que je dois faire. Du coup, faut encore que j'aille chercher une fois le refill là où je vais le chercher. Ensuite, c'est parti. Je suis loin de l'île, je vois rien. Non, je vais faire ça. Voilà. Faire. Là, je suis du mauvais côté, c'est ça. Ah, c'est le buzzball.
Au moins c'est haut de la vague. J'ai peur en vrai. Ah j'arrive au pire moment, ça va être dur. Bouge pas s'il te plaît. J'ai pas de carte. Ah ouais, j'ai pas de carte. Est-ce que je retourne à l'île aux forêts? Ah mais j'ai trop de vitesse. Non, faut que je vise avec l'île aux forêts, c'était ça le plan. Ok. Là normalement c'est bon. Et je suis trop à droite. Je tourne bien à gauche. Là c'est pas mal. Et l'île carrée dont j'ai l'habitude. C'est chaud hein, j'ai pas beaucoup d'air. Hein. Oh, je peux reprendre de l'air ici. Même sans... Est-ce que j'essaye? Sur cette île carrée, je peux reprendre de l'air même sans chest storage. Fais voir l'air que j'ai. Ouais, non, faut que je reprenne de l'air. Ok, je vais essayer de reprendre de l'air sur l'île carrée. Faites-moi confiance, c'est le bon plan. Dans ce coin, normalement, tu reprends de l'air. Voilà, let's go. Maintenant, je vais ressortir dans le plus grand des calmes. Un refill qu'on utilise en old dungeon. Je suis ce fou que je pense être à part ça. Ah, là c'est single, c'est bien, je suis au bon endroit. Alors, le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir de fondu au noir, s'il te plaît le jeu. S'il te plaît le jeu, pas de splouche, pas de fondu au noir. Ok, j'ai une chance de... Est-ce que j'ai une chance de sauver le truc avec avec un manuel? Oui. Mais faut y aller, hein. Donc, juste... Ah, mais j'ai pas de carte. Du coup, en plus, c'est encore plus la sauce. J'ai vraiment qu'une seule chance pour sauver la run, du coup. Enfin, pour sauver ce super swim, sinon je suis obligé de refaire le super swim. Ça me paraît pas mal. Je vais essayer, écoute. Peut-être que si j'arrive jusqu'à la porte ou un refill, ça passe, mais... C'est le low pour cent, c'est vraiment une dinguerie, genre. C'est dinguerie sur dinguerie, ça me termine. Ok. J'ai beaucoup de speed, mais je sais pas exactement où je vais, donc ça fait peur. Ah, mais c'est loin. Ouais, le problème, c'est que c'est super loin. Allez, du coup, là, je me fais Daronhead. C'est ça, le souci. Le souci, c'est que je me fais Daronhead. Mais je passe totalement sous la caméra, je reconnais. Yo Yajik. T'as pas loupé grand chose Yajik.
Je galère sur des manuels Super Swim. Et où lui ? Là, je vais me rapprocher déjà un petit peu. Hop. Ok, attends. J'ai peut-être pas perdu ma speed. Si j'arrive à conserver ma speed et à rentrer dans l'eau tout tranquillement, je vais conserver ma vitesse. Juste attendre la vague. Voilà. Voilà, nice. J'ai conservé ma vitesse. Tout va bien. Juste reprendre un refill pour être sûr que ça fonctionne. Ouais, je vais essayer de pas te glisser comme un guignol. Très bien. On est parti à l'aventure. Une île, s'il te plaît. L'île carrée. Là à ma gauche. Ou Terry, si tu m'avais splouch, hein. Nickel. Île de Tingle. Nickel. Île de la Grande Fée. Nickel. Cette fois, pas de fondu au noir, je t'en supplie. Ok, nice. Je vais prendre un refill dans le bateau qui est échoué, parce qu'il y a un refill disponible ici. Ça va être chill. Ah, dans le coin, là. Hop là, j'ai de nouveau de l'air. Ah, je vais perdre un peu de vitesse. Et ensuite, on y va tranquillement. Et là, me direz-vous, mais Aloha, comment fais-tu pour rentrer dans FF2? Eh ben, TKT que les canons sont. Les canons, c'est les golems qu'ils pensent être. Allez, let's go. Et boum, Enter FF2. Et là, c'est ma partie de la run préférée, les gens. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Je suis coincé entre le lion rouge qui me daronne et la cinématique de Phantom Ganon qui est en haut des escaliers. Du coup, il faut que je trouve un moyen pour esquiver ça. Mon seul moyen pour esquiver ça, c'est de faire un roll clip à côté du lion rouge. Le problème, c'est que le lion rouge est trop proche pour faire le roll clip. Il va me daronner. J'essaye maintenant. Du coup, je prends des bombes. Et grâce aux bombes, je vais pousser le lion rouge tranquillement pour qu'il s'éloigne juste assez. Histoire que je puisse faire mon roll clip sans me faire daronner. Et ça, c'est quand même marrant. Ça, c'est quand même extrêmement drôle. Donc si je pouvais pas sans pouvoir pousser le lion rouge avec les bombes, là j'étais bloqué et je pouvais pas continuer la run. Heureusement que je peux pousser le lion rouge avec les bombes, quoi. Du coup, je peux roll clip, passer sous l'île et aller dans la zone de chargement pour aller à l'intérieur de FF2. Quel plaisir. Alors, je sais plus si je vais sauvegarder, mais je vais sauvegarder.
Oh, j'aurais pas dû sauvegarder maintenant. J'ai moins de bombes du coup. Mais bref, c'est pas grave. J'ai juste pas à me faire attraper par les Moblins. Parce que j'ai toujours pas d'épée, du coup si je me fais attraper par les Moblins, ils m'envoient dans la prison de FF1. Ce qui est pas le but. Moi j'ai envie d'être à FF2. 1. Oh, le problème c'est le. C'est ce Moblin là. Oh la bombe, elle m'a fait peur. Ouais, le problème c'est les rats là, regarde-moi ces rages. Hein. Juste qui. Voilà, merci frère. M'envoie pas en prison à FF1, je t'en supplie. Hop là. Et donc là le but ça va être de monter tout en haut de FF2 avec un zombie over avec un bâton, évidemment. Parce qu'on peut pas battre Phantom Ganon. Zut, je sais plus où je dois aller. Je crois qu'il faut que j'aille là. Ah oui, mais je peux pas aller là, de toute façon. Donc c'est ici qu'il faut que j'aille. Okay. T'as pas oublié que tu peux roll? Ouais, mais j'ai peur. J'ai peur que le Moblin, il me voie. Je me fais dessus. Actuellement, je me fais dessus. Ouais, le problème c'est que les Moblins ils vont quand même m'envoyer en prison. Hein. Hop. Et là-bas. Voilà. J'ai confondu avec FF1, mais bref. Là faut que je fasse le setup du zombie over de FF2, il est différent que celui de FF1. Et faut que je prenne des dégâts avec ce Bokoblin. Un effort. T'en supplie, fais un effort. Regarde, faut que je me rappelle du setup. Là, il faut que je fasse un setup avec le bâton pour pouvoir arriver sur le bord, histoire que je puisse zombie over tout de suite après. Mais il est, c'est un gueulemon, hein. C'est très très grave. Il est où le bâton? Il est là le bâton. Hop. Hop. Non, c'est le pied droit ou le pied gauche? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est le pied droit. C'est le pied droit ou le pied gauche? Envat, t'es toujours là? Left or right foot? I can't remember. Faut que j'aligne le pied avec la marque, mais je m'en rappelle plus si c'est droite ou gauche. Droite ou gauche? Le pied gauche aligné ou le pied droit aligné, Envat? Je sais plus. Vie invoque. Non, non. Je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est le pied droit, et là j'ai la bonne frame ou pas? Après je sais plus. Attends, c'est le pied droit, into 3 frames sur la gauche. Donc attends, faut que je refasse. Je sais pas pourquoi, genre à chaque fois j'oublie le setup ici, genre c'est un truc. En même temps, je pensais pas que j'allais réussir le zombie over. Je crois que c'est ça. Envat, tu me confirmes que c'est ça? Ou c'est une frame de plus? Moi, est-ce que c'est une frame de plus? Je sais plus si c'est une frame de plus ou si c'est celui-là. Mais je crois que c'est une frame de plus. Je suis vraiment pas sûr. Fais voir à quoi ça ressemble une frame de plus. Ça m'a l'air pas mal en vrai, une frame de plus. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Dis-moi que c'est ça, Envat. T'en supplie. Je crois que c'est ça.
L'autre c'était 2 là et lui c'est... Oui non c'est ça. 100% c'est ça. Ouais je sais Nvad mais... Ok je vais regarder. Ok je vais regarder sur Discord la strat. Mais j'ai un doute. Évidemment c'est que maintenant que t'as un doute. Évidemment c'est maintenant que j'ai un doute. Sur le setup. Donc c'est une ou trois ou quatre frames attends. 4 frames à gauche donc. Il m'a dit 4 frames à gauche. Ok donc si c'est 4 frames à gauche c'est celle-là. Si c'est 4 frames à gauche c'est celle-là. Je vais juste vérifier mais je crois bien que c'est celle-là. Mais perds pas ton bâton. Je vais vérifier mais il me semble que c'est ça. Et c'est bien ça. Hein. Ouais je suis un... Ouais voilà c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai oublié le setup alors que je le savais mais tout d'un coup j'ai eu un doute quoi. Ouais 4 frames c'est ça. Non c'est ça. 100% c'est ça du coup. Allez, zombie over. En plus ça c'est un zombie over qui est pas facile, faut vraiment bien spammer. Allez. Bon si c'est Anvad les infos de chat c'est bon. Et ensuite 5 frames 5 frames hein 5 frames hein. Et maintenant je doute de tout. Ouais c'est 5. 5 frames. Allez. Donc faut que je saute et à la cinquième frame faut que je fasse le jump slash. Ouais. Cinq. Ah, j'espère que c'est ça. Autrement je meurs telle une vieille chaussette. Ok nice. J'ai posé 3 fois mais il y a 2 fois où il y avait 2 frames qui sont passés. On est rentré à FF2, let's go. Oh là là, j'adore les zombie over. Les zombie over avec des bâtons, c'est quand même vachement marrant. Du coup, c'est la petite pause du speedrun. On a le droit à une petite pause. On regarde la cinématique, tranquille, pépère. Et maintenant, le but, ça va être de faire ben, la fin de FF2 et toute la tour de Ganondorf avec seulement des bombes et une feuille mojo. Et ça, c'est marrant quand même. Même en second degré, type ADG à des gens, Thibaut, c'est pas sympa. Hop là! À partir de maintenant, il n'y a rien qui change qu'une run avec le Windwalker. Ah si, 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 si. Avec le Windwalker, ce que je ferais... C'est que j'irai jusqu'au barrière skip et ensuite pour annuler les dommages et le fait de repousser, enfin, tu sais il y a la première barrière et la deuxième barrière et il y a la première barrière qui te repousse et pour annuler le repoussage de la première barrière
On sort le Wind Waker exactement au moment où la barrière me repousse, ce qui fait que ça annule le repoussage. Ici, j'ai pas le Wind Waker, donc comment vais-je faire? Et aussi, Maneko, il a raison, je vais avoir une épée. Pas maintenant. Link, il est à poil dans cette cinématique, et ta Tetra qui est là. Oh, waouh! Je te vois en pyjama avec ni épée ni bouclier. Trop stylé, tu dois être le héros. Ça me fume. Ça me termine. Et oui, je vais avoir l'épée à la fin de FF2, parce que la cinématique à la fin de FF2 où on voit Ganondorf me donne automatiquement une épée qui est la Master Sword. C'est pas moi qui décide. Malheureusement, s'il y avait un moyen de skip cette cinématique, on pourrait ne pas recevoir l'épée, mais on sait pas comment faire. J'ai entendu Mirror Shield skip. Alors on n'en est pas encore là, Aizor. Si t'as un setup, hésite pas, hein, mais... On n'en est pas encore là. Oh, ce logo sur ton pyjama, je le reconnais. Tu dois être le héros. Bon, alors je vais sauvegarder pour conserver ma magie. Ah oui, c'est vrai, je meurs. J'avais oublié. Je suis bête, j'ai fait un zombie over pour arriver. My bad. Je m'effondre devant El Maroc, j'ai trop peur. Je vais sauvegarder. Et je vais continuer. Ok, El Maroc swim. Ah bah non, je plaisante, j'ai pas de Windwalker, je peux pas faire de super swim. Un petit El Maroc UMSS, car tu rêves, c'est pas plus rapide. Déjà que le El Maroc swim avec la caméra lock, ça sauve que 6 secondes, il fait parfaitement. Alors tu peux imaginer qu'un UMSS El Maroc, ça ne sauve pas de temps malheureusement. Hop, est-ce que je fais la version risquée? Non, je vais garder ma magie. Je vais garder ma magie, je vais faire le setup. Ah mais j'ai pas d'épée, je peux pas faire le setup. Lol. J'avais oublié ce détail. C'est bon, on n'a pas besoin d'épée quand on est fort au jeu. Hop, on passe à côté d'El Maroc, on lui dit bye bye et on va à la fin du jeu. Let's go. J'avais complètement oublié ce détail. Et là on va dire coucou à Ganondorf en pyjama, on adore ça. Hop. Et hop, je prends ma tunique. Et là vous voyez que dans cette cinématique, c'est hard codé. C'est vraiment hard. Donc hard codé en français, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est vraiment programmé dans le jeu. Que t'aille la tunique verte, un bouclier du héros et la Master Sword. Et le truc, c'est que ce qui est bizarre, c'est qu'après cette cinématique-là, on pourrait se dire, ok, ben, après cette cinématique, je vais garder la tenue du héros, le bouclier du héros et la Master Sword. Mais en fait, non. Le bouclier du héros et la Master Sword, je vais les garder, mais je vais pas garder la tunique verte. Ce qui est un peu bizarre. On sait pas pourquoi, c'est un peu, voilà. Mais du coup, maintenant, j'ai 4 objets. J'ai les bombes, la feuille mojo, je vais avoir après la fin de cette cinématique un Master Sword et le bouclier du héros, ce qui me fait 4 objets. Le dernier objet que je vais récupérer, c'est aussi un objet dans une cinématique, c'est le bouclier miroir. Il va m'être donné dans une des dernières cinématiques du jeu, juste avant de battre Ganondorf. Et ce sera mes 5 items, et ce sera les seuls objets que j'aurai à la fin du jeu. Programmé en dur. Ah non, c'est pas une bonne traduction malheureusement. Et vu que là tu gagnes une épée, pourquoi tu peux pas ramasser celle de FF1? Parce que l'épée de FF1 c'est pas la même.
L'épée du héros et la Master Sword, c'est deux épées qui sont considérées comme différentes. Parce que dans l'inventaire, quand tu les as, c'est deux épées différentes. Elles sont pas à des endroits différents, effectivement. Elles s'affichent au même endroit dans l'inventaire, mais c'est pas le même icône. Et pour les objets évolutifs, la définition du lot pourcent sépare les différentes icônes. Donc l'épée du héros et la Master Sword, même si la Master Sword cache l'épée du héros une fois que t'as la Master Sword, compte dans le total d'objets. Donc là, vu que je n'ai pas ramassé l'épée du héros, mais que j'ai ramassé uniquement la Master Sword, j'ai seulement un objet des deux épées. C'est peut-être à cause du mode héros, Led Black, effectivement, qu'on garde pas la tunique à la fin de la cinématique. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être une bonne hypothèse en vrai. Ça marche, l'Aldico, ciao ciao. Bonne nuit, bonne nuit. Alors ça, je ramènerai un peu plus souvent mes potes sur Discord, hein. Apparemment ça fonctionne. MDR. Donc là, jusqu'au Lighthouse Keep, ce sera assez simple. Et ensuite, il y aura la dernière section extrêmement dure à passer. Ce sera le Puppet Ganon Skip avec Puppet Ganon dans la salle et le Lighthouse Keep sans les flèches, sans le Windwalker. Et on n'y est pas encore. On n'oublie pas de regarder la cloche, effectivement, dans le ciel tout en haut. La cloche de la Tour des Dieux qui est là, alors que la Tour des Dieux n'est pas là. On va la voir dans deux plans. On la voit vraiment très très vite. Et en plus, avec la nuit infinie, on la voit très peu. Après ce plan-là, la caméra va être dans le ciel. On va pouvoir la voir. Attention. Maintenant, la cloche. Un petit point blanc dans le ciel. C'est grâce à ma copine que tu as réussi. C'est la seule chose qui a changé depuis tes autres trails. Le mec. Bon, alors faut pas que j'oublie d'aller ramasser de la magie et des bombes. Ça me sera utile plus tard. Hop. Je refais le plein, je refais le plein de magie, de bombes. Donne-moi des bombes, le jeu. Ça, j'aurais pas besoin de m'en occuper après. Ouais, bon, je vais en prendre un peu plus. J'aurais pu en prendre après, mais comme ça, là, j'en ai 19. Je suis tranquille pour la fin. Tranquille pour la fin de la run, c'est parfait. Une petite sauvegarde. Hop, et on passe à la suite. Peut-être que ta copine regardait le timing de lâcher de bombe, Led Black. C'est ça que t'es en train de dire? Et du coup, on a toujours un problème. Moi, je vais vous laisser deviner comment je fais sans la baguette du vent pour annuler le repoussage, entre guillemets, de la barrière. Parce que je vous spoil pas, mais c'est hilarant. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et la solution me bute. Parce qu'autrement, ce serait pas possible de finir la run, hein. Faut demander à Tetra. Et tu croirais pas si bien dire pour un peu. Et oui, pour une fois, Tetra est utile. Si je lui parle exactement à la bonne frame, je reste dans la barrière. Ça me tue. Ok. Ah, je me suis fait pousser par Tetra. Ça va pas fonctionner. Et là, c'est le même setup qu'en Eni%. Exactement le même principe maintenant. Trop loin là. Celui d'avant. Thank you.
Black Ops, let's go. Elle nous a aidé à passer la barrière, mais du coup on la laisse, voilà, on la laisse bloquer. Hein. Une fois qu'elle nous a aidé, c'est bon, tard plus. Skip le Mirror Shield juste pour la fame, là je peux pas. Pour skip le Mirror Shield, faudrait que je fasse un setup de Actor Unloading. Et là c'est trop tard. Parce que le seul moyen de skip le Mirror Shield, ce serait de ne pas regarder la cinématique en la faisant décharger grâce justement à de l'Actor Unloading. Mais vas-y. Hein. Là, le trial skip, c'est exactement le même délire qu'en Nelly pourcent. J'ai les bombes et la feuille mojo, donc c'est la même chose. On n'utilise rien d'autre. Bon, le jeu, il lag parfois un peu. Oui. Et le stream surtout. Le clip frame perfect, y arriver. Okay, c'était un peu trop close à mon goût. Et c'est maintenant qu'on se marre. Ah, fallait que je prenne des dommages. C'est maintenant qu'on se marre, parce que le truc c'est que la porte qui est devant moi, c'est la porte que tu peux débloquer avec les flèches de lumière. Le souci c'est quoi? Le souci c'est que je peux pas aller récupérer les flèches de lumière parce que ça me fait un objet de plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je fasse un skip de cette porte sans le Wind Waker et sans les flèches de lumière. Parce qu'en Nelly pourcent classique, ce qu'on fait, c'est qu'avec le Wind Waker, on fait de la magie noire avec le Wind Waker et on arrive à décharger une porte, à sortir de la salle, contourner la porte et aller toucher la zone de chargement. Là, ce qui va se passer, je prends full magie parce que pourquoi pas. Là, ce qui va se passer pour sortir de la salle, vu que j'ai pas de Wind Waker, c'est un trick qui est très compliqué, qui s'appelle faire deux barrières skip à la suite. Vous allez voir, c'est une dinguerie, c'est trop marrant. Vous croyez que le barrière skip c'est compliqué? Regardez-moi ce setup. Je vous présente la version hard du barrière skip x2. Donc là, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire fait partie du setup. Absolument tout ce que je vais faire va faire partie des setups que j'ai besoin pour avoir la position exacte pour pouvoir clip à l'intérieur du petal qui est devant moi. Comme je clipperai à l'intérieur de la barrière. Deux. Trois. Quatre. Important de tourner la caméra sur la droite. Ce setup, c'est moi et une batte qu'on l'a trouvé ensemble. C'était un des derniers setups qui nous manquait pour pouvoir prouver que cette route-là était faisable. Avant, on savait pas comment. Avant, on savait pas comment terminer la run seul sans Wind Waker à cause de cette salle-là. 3. 4. Il nous manquait un setup pour ce barrière skip qui n'est pas un barrière skip. Et c'est maintenant que c'est compliqué. Là, faut que je compte les pas et que je m'arrête exactement à la bonne frame. Et 1. 2. 3, 4, 5. Et je crois que c'est bon. Normalement, je me suis arrêté à la bonne frame. Et maintenant, on va mettre la caméra exactement au bon endroit. Donc, un petit tour, un petal. Deux petals. Trois petals. Parce que maintenant, j'ai la bonne position, mais pas le bon angle. 4 pétales.
et 5 potales. Oh, je suis un teubé. Okay. J'ai pas posé pour. J'ai pas posé pour arrêter le tourbilol. Du coup, évidemment, le setup ne va pas fonctionner. Pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai juste badé. Allez, on recommence. Tapez 1 si vous vous amusez dans le chat. Et le truc qui est marrant, c'est que j'ai pas. Je suis pas obligé de faire un barrière skip, je suis obligé de faire deux bons clips. Donc je dois faire l'équivalent de deux barrières skip. Parce que je suis obligé de clip à l'intérieur du poteau. Et ensuite, une fois que je suis à l'intérieur du poteau, faut encore que je clip à l'extérieur des murs qui sont à l'intérieur du poteau. C'est un délire. Du coup, c'est deux barrières skip à faire à la suite. Et on s'amuse quoi. Et par contre, ça me fait mourir de rire. Vraiment, la longueur du setup. Regardez-moi ce délire, ça me fume. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'arrive pas à choper la frame. Évidemment. Mais vas-y. Voilà, merci. 1, 2, 3, 4. Un pas, deux pas, trois pas. Un. Et je crois que c'est la bonne frame, du coup je suis à la bonne position, j'espère. Et là on va compter, cette fois on va pas faire le guignol. Un petal. Deux petals. Trois petals. 4 pétales. Voilà. Et là, normalement, j'espère que je suis au bon endroit. Il faut encore que je fasse un bomb drop frame perfect. Ok, c'est pas grave. Vaut mieux faire tôt que trop tard. Si je fais trop tôt, je peux réessayer. Ah, par exemple. Et vas-y, hein. Vas-y, on souffle, hein. J'ai pas regardé, je regarde ce que je fais. Bon vas-y, j'ai trop peur de faire trop tard, du coup j'appuie à chaque fois. Assez tard. Let's go. Et donc c'est pas fini, pourquoi? Parce que là il y a encore un mur à passer. Du coup c'est parti pour l'autre setup, l'autre barrière skip. Ok. On va avoir l'impression que je balaye à l'intérieur du poteau pour faire la poussière ou je ne sais quoi, mais je vous jure que je suis en train de faire un setup. 1, 2, 4. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-tour là. Ah non, attends, j'ai oublié les feuilles mojo. Fallait que je fasse de la feuille mojo avant. En fait, les positions sont précises au point d'être parfaites, en fait. C'est vraiment des positions parfaites que je dois avoir. C'est pour ça que les setups sont abusés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8, 9, 13, donc là j'allais sur la gauche, maintenant je vais target et aller sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
Hop, hop, hop. 1. Encore 11 roulades et c'est bon. 1, 2, 3. Et là, faut que j'aie le bon angle maintenant. Pas sûr que ce soit le bon angle. Ah, c'est une frame de plus. Voilà, c'est ça. Non, j'espère que j'ai réussi le setup. Et une fois que j'ai fait ce barrière skip, je suis dans le vide, donc faut encore que je fasse des lift pompes, genre c'est un délire. Pour aller jusqu'à la zone de chargement. Auto. J'ai cru que j'étais passé, mais en fait j'ai lâché la bombe trop tard ou j'ai loupé le setup, je sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Je vais recharger ma sauvegarde. J'ai sauvegardé, hein. Moi que j'ai sauvegardé. Je suis assez sûr d'avoir sauvegardé. Le problème, c'est que j'ai pas de bombe, donc je suis de toute façon obligé de recharger ma sauvegarde. Donc je vais recharger ma sauvegarde et réessayer. Dommage. Ouais, je dois clip d'abord dans le pilier pour ensuite clip dans le mur, c'est ça. Le problème, c'est que tu peux seulement faire des barrières skip où t'as deux murs qui se rejoignent. Et le truc, c'est que dans cette salle, tous les endroits, enfin tous les murs qui donnent sur l'extérieur, l'endroit où ces murs se rejoignent, ils sont tous cachés par un poteau. Donc t'es obligé de clip dans le poteau pour atteindre l'endroit où tu veux clip. STP non, Elzir. À droite. Du coup, je vais me concentrer. On va essayer de réussir. Un, deux, trois. Un. À droite, je m'arrête quand le bouton B atteint la tache noire. Si, alors je lâche trop loin. Bien, 4 slash. Une super roulade. 4 crawl. On compte les petits pas. J'ai posé trop tôt. Et c'est reparti. Ça sert à quoi au juste un split et la skip si jamais tu rates le PG skip, ça compte pas? Bah non, je split et puis après si je rate le PG skip, je refais le la skip. Je crois que j'ai bougé. Le problème, c'est que j'avais pas réussi, c'est pour ça que je suis obligé de refaire. Le but, c'est de sortir de la salle, c'est pas de rester bloqué à l'intérieur du... Voilà, rester à l'intérieur du poteau. Je suis obligé d'en faire deux à la suite, parce que premièrement, je vais dans le poteau, et ensuite, je sors de la salle. Et ouais, c'est un délire, hein. Ça s'arrête jamais le loup pourcent. Je crois que c'est fini après le zombie over d'une heure. Lol. Ah,
Le world record, si j'arrive à finir, c'est le world record. Faut juste que je réussisse à finir la run. Y'a jamais personne qui a réussi à finir cette route là. Encore. Et comme il n'y a jamais personne qui a encore réussi à finir cette route avec aussi peu d'objets, ben si je finis, j'ai automatiquement le record du monde, même si je finis en 3 semaines la run, tu vois. Et la run est extrêmement dure, c'est pour ça que personne n'a encore la fini. C'est assez récent aussi. Let's go. Ah non, on refait le deuxième. Parce que vous voyez là, il y a des murs, je peux pas. Ok, je peux pas traverser. Ah, il y a des murs à l'intérieur. Je suis obligé de faire un barrière skip pour passer ces murs. Enfin, une espèce de barrière skip. Et jusqu'à 13, 1, 2, 3, 4. Six, target. 4. Tour into crawl, une roulade, target 11, 1, 2, 3, 9, 11, 2 tours sur soi-même, Ah, ça c'est la bonne frame. Il y a plein de gens qui sont capables de finir la run, c'est juste pas fastoche. J'arrive pas, hein. Vas-y. Et... Ouh, on souffle. Pas fini, faut encore que je réussisse les leaf pompes. Hein. Okay, nice. Let's go. Maintenant, il est l'heure de faire un Puppet Ganon skip avec Puppet Ganon dans la salle. Quand je le dis comme ça, ça a l'air facile. C'est pas facile. C'est tellement le pire truc.
Oui, le pire, c'est que faire Puppet Ganon Skip avec Puppet Ganon dans la salle, le seul moyen de retrouver des cœurs, c'est avec les chauves-souris. Donc je vais devoir tuer des chauves-souris avec des bombes. Into. Voilà, maintenant j'ai perdu des cœurs, c'est bien. Donc il faut que je me fasse heal par des chauves-souris. Donc il faut que je les tue, faut que ça drop des cœurs. Faut que le cœur il soit au bon endroit. Tout ça avec un Puppet Ganon qui a envie de te massacrer parce qu'il est dans la salle. C'est un délire. Vous allez voir, c'est tout sauf sympa. J'ai pas besoin de pause buffer. Bien. Je vais prendre de la magie pour être full magie. Ah, il me voit. On n'est pas loin de la fin là, Serzax. Mais en fait, la partie la plus dure, c'est le Puppet Ganon Skip. Avec Puppet Ganon dans la salle. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et il y a très peu de chances que j'arrive du premier coup parce que c'est RNG. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais on va se retaper le Ella Skip et le Puppet Ganon Skip, je pense, bien 5 fois avant que ça fonctionne. Donc peut-être que je vais réussir du premier coup, peut-être que ça va me prendre... peut-être que ça va me prendre 10 essais, je sais pas. Et à chaque essai, il faut bien compter 20 minutes, donc on sait pas. Peut-être que je finis la run dans 10 minutes, peut-être que je finis la run à 6h du matin. Bienvenue en lot pour 100. Donc d'abord, on va se taper la cinématique, ensuite on va sauvegarder. Comme ça, j'aurai pas besoin de me taper la cinématique à chaque fois. Et ce qui va se passer, c'est que dès que Puppet Ganon apparaît et que je peux le taper, moi je vais l'ignorer, me tuer et commencer un zombie over. Une fois que j'ai commencé le zombie over, faut que je spam extrêmement vite pour aller là où je veux avant que les chauves-souris arrivent. Quand les chauves-souris arrivent, faut que je les manipule, que je drop une bombe, qu'elles se tuent sur la bombe, sans qu'elles m'explosent moi la bombe, et qu'ensuite je prie pour qu'un cœur ait drop pour que j'aille le prendre. C'est un délire. Et le setup que je vais faire, faut que je spam quasi aussi vite qu'un middle puppet cadon skip, donc c'est un délire, déjà rien qu'à ce niveau-là. Et petit 2, pendant que je suis en train de faire mon zombie over, Puppet Ganon me touche avec ses... Puppet Ganon peut me toucher avec ses attaques. S'il me touche réellement, je... c'est mort, je suis obligé de recommencer. S'il me touche pas, au minimum il va me pousser. Et s'il me pousse dans la mauvaise direction, il peut aussi rendre le trick impossible. Donc c'est vraiment un sacré délire. Je pense que c'est le Puppet Ganon Skip le moins régulier que je tente dans toutes mes runs. C'est vraiment, c'est un délire. La soirée ne fait que commencer. C'est un item Pog, yeah. Pendant la cinématique, j'ai beaucoup d'items. Puppet Ganon, Puppet Ganon est au mauvais endroit, ce qui fait qu'il va sûrement me toucher avec son attaque. S'il me touche avec son attaque, c'est mort. Tant pis, je sauvegarde, je recommence. Ça c'est RNG. Puppet Ganon est parti trop sur la droite, ma vie elle pue. Tant pis, c'est reparti. Cette cam.
Du coup, je vois pas près de Ganon, je sais pas s'il va me toucher ou pas. Ok, c'est pas fini. Je suis pas arrivé tout en haut. Donc le souci c'est que... Faut encore que je fasse un zombie over pour débloquer le pot. Faut bien que je regarde où je suis. Pas de gun pour encore me pousser en plus. Ah, je suis là. Ok. Je vais attendre les chauves-souris. Je vais attendre les chauves-souris. Et ensuite on va mettre son angle avec la cam. On va faire le zombie. Le but c'est d'aller débloquer le pot avec une bombe. Mon cœur, la vache. S'il te plaît, ne me tue pas, Puppet Ganon. Je peux encore me pousser le bougain. Dernière attaque, chauve-souris, vous êtes où? Je les tue vite et que je fasse le zombie over vite après. Le Ganon peut encore me pousser. Un peu sur la droite, ça fait peur. C'est le bombardement, le bombardement, le bombardement, let's go. J'en ai rien à faire de mourir, j'ai débloqué le pot, c'est le plus important. Oui. J'aurais pu essayer d'aller prendre la fée, d'essayer de survivre. Mais on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Split, let's go. Sauvegarde. Sauvegarder, continuer. J'ai plus de bombes. Est-ce que je vais chercher des bombes? Ouais, on va aller chercher des bombes. Allez, bye bye. Split de 15h au KLM. Oh là 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 là. Ce trick c'est une dinguerie hein. Vous avez vu à quel point c'est stylé. Ouah, c'est trop une dinguerie. Allez. Je copie la sauvegarde, on sait jamais, on sait jamais. Allez. Ouais, le bombardement, il était bien. J'ai tellement... En fait, je me suis vu me faire pousser sur la droite, j'ai fait bon. Allez, on bombarde pour se décaler sur la gauche. On n'en a rien à faire, let's go.
Oh là 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 là, quelle dinguerie. Quelle dinguerie ça. Cette run, hein. Pff, c'est trop stylé. Bon alors c'est pas tout à fait fini, il faut encore que j'aille prendre le pot de téléportation et que je fasse un mort over pour aller sur la dernière plateforme, pour aller dire bonjour à Ganondorf. Et comme j'ai pas de flèche, faudra que je fasse le mort over avec les bombes, alors que Puppet Ganon essaye de me toucher depuis le sol. Donc je peux encore me faire troll par Puppet Ganon, mais normalement c'est beaucoup 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 plus simple maintenant. Ça devrait être un peu tout droit. Il y a les kits qui vont bientôt venir, donc j'espère que je vais être assez rapide. Oh, c'est la sauce. Ouais. Ok. Faudra peut-être que je tue les kits entre temps, c'est peut-être un peu trop la sauce. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le mort en haut. Je vais attendre les keys, je vais tuer les keys et ensuite je vais faire le mort over. C'est ça qui va se passer. Let's go. Ok, plus que le mort over, cette fois on y croit. Cette fois je vais faire essayer de mieux gérer les keys. Mais c'est pas facile. Hein. En fait les keys, le problème des chauves-souris, c'est qu'elles peuvent te troll tous les jours. Donc on va faire au mieux. On va faire au mieux et puis on verra ce qui se passe. Enfin, je vais pas me démettre à fond, ouais. Je vais garder pas mal de vie, je vais faire au maximum. Le problème c'est que prendre des damage avec les keys, c'est un peu le dernier truc que t'as envie de faire. Du coup je vais juste attendre les keys avec un cœur entier, les tuer. Attends, il m'a suivi, ouais du coup. J'ai oublié de... Voilà. Bon, du coup je vais prendre les bombes ici. Voilà. Hop, bon, j'ai encore plus de vie. Non. On aura des dommages sur les chauves-souris les premières. Et ouais, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre le mort tout au fond. Je vais essayer de tuer les keys avec un cœur entier, comme ça je suis safe. Ensuite, même en prenant des damage avec les bombes, si le mort il est tout au fond, il devrait pas tomber. Je pense. Avec une ou deux bombes. Yo, c'est Redax. Le pot de téléportation est totalement ouvert, frère, c'est la fête. On va attendre les chauves-souris de nouveau. Bye bye PG, effectivement. Il faut qu'il attaque 3 fois et tout, hein, donc on a le temps. Je vais prendre un peu de damage. En vrai de vrai. Je vais faire exploser la fée, comme ça, après j'ai pas de chance qu'elle m'arrive dessus. Bien, allez, je prends la magie, pourquoi pas. Ouais, faut que je prenne plus de damage en vrai. Je vais me mettre à un cœur. Les chauves-souris vont arriver. Voilà. Prendre un damage de plus du coup. J'ai pas pris de damage sur les chauves-souris. Non, faut se dépêcher. Target Puppet Ganon, super. Bon bah tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller prendre un cœur.
Je vais attendre les keys, je vais les tuer pour avoir un cœur de plus et ensuite je vais recommencer. Je vais aller dans le pot de téléportation et c'est reparti. Certes, pas. C'est vraiment ce cycle avec Ganondorf, enfin Puppet Ganon qui fait 3 attaques, tous les chauves-souris qui arrivent et qui t'embêtent pour tes setups. Prends un cœur de plus, parfait. C'est reparti. Pour être safe et puis j'ai sauté dans le vide de toute façon. Je reprends un cœur comme ça sur les premières keys, je suis un peu plus safe. En vrai je pourrais commencer maintenant. Je sais pas si... Ouais, en fait je devrais commencer tout de suite. Je devrais commencer tout de suite, pas attendre les premières keys. Ce serait mieux. Mais bref, je joue ultra safe. Tout va bien. Vaut mieux que ça que l'inverse. Ça aussi je peux... Ah, j'ai tué un mort sans faire exprès. Ça je peux aussi enlever les pots en vrai, c'est pas si mal. Allez, troisième coup, Puppet Ganon. Voilà, et maintenant les keys vont arriver. Ouais, l'arrivée des keys se reset quand tu prends le pot, j'ai juste pas... J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, j'aurais pu essayer d'aller un cycle plus tôt. Effectivement. Beaucoup de corps à gauche, normalement, ça va le faire quand même. Un coup de Puppet Ganon. Deuxième coup. Oh, il est tombé, le ref, il est tombé. Bien, on va attendre les keys. Troisième coup, et j'attends les keys. Triple sub 20. Ouais. Rester trop longtemps bloqué par le light arrow skill. Vas-y frère, tu m'as saoulé. Ouais, je pars ici. Et c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Bon, cette fois, je vais y aller tout de suite. Vu qu'en allant dans le pot, ça reset le cycle. J'ai pas de. Par contre, j'ai pas de d'arc pour faire le setup. J'ai de m'aligner manuellement. Nice. J'ai juste envie qu'il aille tout au fond de la plateforme. Comme ça, j'ai la place de me bagarrer avec les keys. Pas comme ça. Écoute, on va quand même essayer. Hein. Et troisième attaque, Puppet Ganon. Là, je me bagarre avec les keys. Pas de 2 de damage. En tout cas, un effort. Alors, faut que je prenne un damage. J'espère qu'il va pas tomber. Je vais me coincer.
Let's go. Ça a pris une demi-heure, mais tout va bien. Oh, Puppet Ganon, ça fait 20 heures qu'on t'attend. Ganondorf, je sais plus parler. Ça fait 20 heures que je fais un speedrun, je sais plus parler. C'est... J'ai vu 27 fois Puppet Ganon, là ça va plus, genre, trop l'habitude de dire Puppet Ganon. Ganondorf, c'est seulement la première fois que je le vois. Je crois pas. Bah en fait, le truc c'est que Sirzax avec les keys, c'est chaud. Hein. J'aurais pu peut-être attendre les keys. En vrai, j'aurais peut-être pu attendre les keys pour me mettre un cœur de plus, effectivement, mais YOLO, hein. YOLO, go faire Ganondorf avec un seul cœur en le regardant dans les yeux, tel un vrai bonhomme. Elzir est là. Vraiment, il a aucune rengaine à bannir les pyramides. C'est vrai qu'en low pourcent, là, si je rate, il faut que je me retape le Light Arrow Skip et le Mortover. J'espère ne pas mourir. Il y a une petite possibilité que je meure, du coup, mais bon. Pas censé mourir, quand même. Je suis pas censé mourir. Yo, Mini. 20 hours. It's so long. Un petit rire de Ganondorf. Ah, non, non. J'ai bien réfléchi, mais non. Oh là là, et 20 heures de run. J'ai dormi combien de temps? J'ai pris une pause de 6 heures. Donc il y a il y a 6 heures de time save hashtag sleeping dans cette run. Ah, j'ai pris une pause d'un peu plus de 6 heures. J'ai pris une pause de 7 heures. T'as 7 heures de time save sleeping dans la run. Si la run est valide parce que bonbon, j'ai le local record avec moi. Le stream a crash, mais j'ai enregistré la vidéo en local, donc normalement tout bon. J'ai changé de scène à un moment, mais c'est tout ce que j'ai fait. Oui. Quand je vais summit la run et que Mini il va pas l'accepter parce que j'ai changé de scène à un moment, je vais voir flou. Je vais voir flou. Ah, c'est pas grave, on va envoyer notre espion Envad, qui est modérateur sur le leaderboard, pour qu'il accepte ma run en deux spi là. Yo, thank you. Merci pour les gels les gens, merci. Bienvenue Aelox SR. Il y a des speedruns, Yasoda, ou pour vérifier que la run soit pas splice, donc coupée en deux. T'es obligé d'avoir une vidéo qui montre toute la run sans coupure. Avec le jeu, avec rien sur le jeu, etc. etc. Et je pense que là, ça va. Et ils vont pas être aussi stricts que ça pour Rulemaker. Allez, il s'agit de pas se planter sur les attaques spéciales. De sauter dessus Ganondorf, ça fait un peu peur ça. Oh.
C'est tout bon. C'est tout bon. Record du monde. Boum. Wind Waker. Sans Wind Waker, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi le nom du jeu s'appelle Wind Waker? Il n'y a pas de Wind Waker, lol. Juste GG en fait. Let's go. Oh, je suis trop content, ouais, je suis trop content. Oh là 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 là. Hop. Merci pour tous les GG les gens. Merci beaucoup pour les GG. Yo Faflo. Waouh, Faflo qui a trop de thunes apparemment. Yo ou, merci pour les 5 subgifts. Yo Faflo, merci pour les 10 subgifts. Waouh, train de la hype là qui fait wouh. Ludorio aussi avec les beats. Merci, merci, merci. Ouais, il devrait rename le jeu The Legend of Zelda Bombs and Leaf. On est d'accord, hein? On est d'accord. Comment ça, il n'y a pas eu de mort à Ganondorf Sage? Comment ça, Frozen? Comment ça? T'as envie que je meure à Ganondorf? T'as envie que je me ridiculise? On va laisser la cinématique, hein. C'est bon, hein, j'ai mérité de laisser la cinématique, là. Sur cette run-là, j'ai mérité. Oh là là, le feu, trop stylé en vrai. Stylé. Il suffit de commencer la run le matin pour sauver 6 heures, facile. TKT que je recommence pas. Hein. TKT que la run elle va rester à 20h08 et 43 secondes. C'est bon, j'ai assez souffert. Je pourrais sauver facile 10 heures, je pense. Mais. Mais vas-y, c'est trop, c'est trop. Merci à toi Renano, merci le chat. Hein. Ça fait trop plaisir d'avoir les gens dans le chat qui sont hype et tout. Ça fait passer le temps parce que pendant que je suis en train de faire un Puppet Gun and Skip pendant 15 heures de suite là, avoir des gens dans le chat pour passer le temps, c'est trop bien. Bien. Je vous remercie encore pour les GG les gens. C'est de loin mécaniquement la run la plus dure que j'ai jamais faite. Elle est incroyable, je l'aime trop, les tricks sont incroyable. Toi, tu commences, tu fais que des manuels super swim à droite, à gauche, tous les zombie over quasi avec des bâtons, même pas avec l'épée. Tu fais un zombie over de 1 heure avec un bâton pour lâcher une bombe et tomber pile poil sur un cœur. C'est incroyable. Un cœur qui se trouve à 2 îles. Du coup, tu fais le zombie over pendant 1 heure. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, la run est complètement fun. Les loups pourcent pour le feu, hein. Prochaine étape, tu reviens tous les mercredis avec un setup d'acteur unloading. Ah non, je pense pas. Moi, je reviens samedi streamer. Et je vais venir demain, je vais pas pouvoir streamer, mais samedi soir, je vais pouvoir streamer. Normalement, je stream vendredi soir, mais là, je vais pas pouvoir. Donc, je vais streamer samedi soir, vendredi, et ben, je verse une petite larme, hein, parce que c'est vrai que maintenant, je vais plus faire de l'eau pour sang les mercredis. Ça faisait plus de 6 semaines qu'on faisait ça, là. Est-ce que je vais faire une vidéo sur cette run? Peut-être. Si j'ai la foi de faire des vidéos, je ferai une vidéo sur cette run parce que, effectivement, c'est une bonne idée de vidéo. Et ce serait intéressant et je pense que les gens seraient intéressés. Je vais proposer cette run pour le prochain speedrun. Mon estimate, ce sera genre entre 2h et 30h. Je pense qu'ils vont l'accepter. Je suis pas sûr. Et ouais, les mercredis, je pense que je vais faire autre chose. Si j'ai pas une autre run à faire, j'irai faire du Céleste Golden Farewell en attendant. Et je pense que j'apprendrai une autre run à faire les mercredis parce que je vais pas faire uniquement du Wind Waker no MSS. J'ai envie de faire un autre speedrun aussi, ou un autre défi, ou un autre truc, ou un let's play, je sais pas. Pas Subnautica, Ike, calme-toi. Subnautica, c'est mort. Du Any% Moon Jump, pourquoi pas. Peut-être de l'HD aussi. Qui sait. Peut-être du Skyward Sword. Qui sait. Faut voir. Non, Skyward Sword, je peux pas encore.
pas de HD. Thibaut crie de toute son âme. C'est bon, je ferai toujours du NoMSS sur le SD, Thibaut. Tu peux respirer. Le 100% ça pourrait être marrant, mais le problème du 100% c'est que je pense que le 100% faudrait plutôt que je le fasse dimanche, genre toute la journée. Donc faudrait que je commence tôt le dimanche le 100%. Genre à midi je commence le 100% et je fais des runs, parce que c'est long le 100%. Faire ça un mercredi soir c'est dur. Même un samedi soir, parce que le samedi soir j'ai des journées qui sont chargées les samedis. Du coup venir samedi soir commencer à 20h, déjà j'ai de la peine à commencer à 20h. Et faire une run de 100% qui dure plus de 4 heures, c'est chaud. Ouais, le Old Dungeon, ce serait cool et tout, mais je vous dis, le Old Dungeon, c'est dur. Hein. C'est vraiment une run qui est pas facile, dit le mec qui vient de faire du low pourcent. Mais, non, je veux dire que PB, en Old Dungeon, c'est vraiment demandant au niveau du training à côté. Donc je sais pas si j'ai plutôt envie de prendre mon temps à côté du streaming pour train autre chose que du Old Dungeon. À voir. Un speedrun où j'ai plus facilement où je vais plus facilement accrocher un PB, parce que le truc c'est que je suis déjà en train de faire du NoMSS où le PB est très dur à aller chercher. Du coup j'ai envie de faire un autre truc où c'est un peu plus facile, tu vois, d'aller chercher des PB, des records, une bonne perf. Parce que là, entre le NoMSS et la Golden de Farewell, les PB ils mettent du temps à venir, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas PB, hein, ça fait plaisir. Et PB sur un petit WR là. Miam ce poulet. Le split de 15 heures, ça me termine. Vraiment, Light Arrow skip 4h08, PG skip 19h27. Je verrai les gens, j'ai pas encore train et j'ai pas encore regardé quel speedrun je vais faire, mais et c'est même pas potentiellement, c'est même pas un speedrun, je ferai un petit jeu indé tranquillou le mercredi, peut-être même du speedrun de Céleste et 10%, pourquoi pas. Mais le PST je dois aussi pas mal l'apprendre pour faire du PST, plaisir. Du Pikmin 4, ouais peut-être aussi. C'est vrai que je l'ai pas fini. Est-ce que j'ai envie de retourner sur Pikmin 4? Pas sûr. Lâche ça, qui dit Aylox. Ah, c'est pour le GG, Mago. Ouais, je pense que... C'est quoi, c'est 17h? Ouais, je pense que c'est bon, je vais pas continuer à streamer. Là, on est content, non? On a assez fait les fous. Je vais vous laisser après ça. Hein. Ça fait un petit stream de 20h là, c'est bon, je pense que je pense qu'on est on est paré, j'ai pas besoin de continuer à streamer là. Je vais aller vous chercher un petit raid tranquillement. Ah ouais, je pense que je relance un loup pour cent, t'as raison Bonbon. Pourquoi j'y avais pas pensé? Faut que je batte le PB. Hein. Tu peux pas être Ganon juste une fois pour la vengeance. Non. Ouais, je vais laisser... c'est encore mieux mec, je le laisse s'énerver tout seul. Il aura jamais la satisfaction de se battre contre moi. Encore mieux. Je l'ai ignoré tout du long, peut pas être Ganon. Chat. Pareil Batman, pareil. On est ensemble. Merci Aurore, merci. J'ai Ghost PG autant que j'ai Ghost Moxie. Imagine. Hein. Oh là là. Oh, allez, je vais vous chercher un raid. Merci d'être passé les gens, comme d'habitude. Ça
C'est toujours plaisir de vous avoir dans le chat. Je vous retrouve samedi soir pour du NoMSS, Any%, Windwalker SD, NoMSS, pour essayer de PB/WR. Et puis voilà, on verra ce qu'on fait les mercredis pro. Maintenant que le loup pourcent c'est terminado. Sniff, sniff. Ouais, je vais bien me reposer, hein. Je vais faire une petite inhalation, sinon il y a Yasoda qui va venir me taper. Soigner ma voix également. Hop, 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 hop.